Effectivement, je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom. Il ne faut pas oublier la fumée d'abord. Dans le mois de juillet, élection est en Rwanda. Kagame a candidat à sa propre succession. Il va régner encore jusqu'en 2034. Ça correspond, pendant 10 ans, des accords signés avec l'Union européenne. C'est l'exploitation des minerais. Donc, nous avons encore Kagame pendant pour 10 ans, comme pion des étudiants, pour dire que l'Occident n'a pas lâché Paul Kagame. Parce que pour que le président nomme ces gens-là, il a des conseillers militaires. Comment jusqu'aujourd'hui dans notre armée, c'est le seul pays au monde où les officiers trahissent leur armée et leurs frères d'armes et la nation. C'est le seul pays au monde. Vous voyez pourquoi? La plupart, ils habitent au Tabayombe. Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs. Il y a Congo Live Télévision et Sengeli Mbosimba et rencontre entre Paul Kagame et le président rwandais et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quid de la dessous des cartes parce que le président Félix a atteint trois conditions avant qu'il y ait Koutana, na Paul Kagame, la libre sécession et hostilité, retrait et à ma groupe M23 et cantonnement Nabango. Alors que le président Paul Kagame aussi a mis des conditions pour rencontrer et le président Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que les amis boycottent la rencontre ou bien que ça l'a d'une manière diplomatique? Donc, bah, beaucoup t'en as vraiment réellement maintenant monté pour tous à la condition où il a été nommé. Ça n'a pas dit été tout au sol et en gros. Et l'ongo, n'a mon amour quand je sais que Benza tout au tal à S de l'eau et on a gâté la République démocratique du Congo. Moto Oyo, à la qui la province, à Yéna Kinshasa. 3 mois à créer ma relation à Sika, à yo Kazali invalidé, façon en boca. Cours conditionnel, barreau et TS, et vous allez attaquer les soustés, na ba erreur peut-être matérielle, et allez histoire autre, vous allez pour débattre les lots awa. Est-ce les lots sous la grande question? Vu, bah, Angers, vous allez dans la province, il y a Kinshasa, est-ce Daniel Bumba mérite-t-il la ville-province de Kinshasa? Est-ce qu'il sera la taille à ville province et à Kinshasa pour relever le défi Oyo, Tobi Tumba Oyo, gouvernera passé et côté Kanakati à ville province et à Kinshasa. Ils ont dit Bongo, Makambo Maïki, ils ont dit Kosolola, ils ont dit Makambo vraiment ébélé, ils ont dit Kosolola, parce qu'ils ont préoccupé les Congolais, ils ont dit question de l'air, ils ont dit Moka, Joseph Mbenza, Motena Moka. Motena de Olivier, merci pour l'invitation. Merci Pepo na chaîne au monen et YouTube. Je vous permettre biso toi et panabino bino bo na diaspora ba ope bazana na kata Kinshasa na Congo mobimba ba konza mboka nyoso. Na mbona ngai na pesa matondi mingi na honorable Socrates Mubengai bona musala zo sala ya makasi na commune na biso ya Mongafula. Parce que commune na Mongafula faut boye ba que ils ont buté dans un problème ébélé. Problème, il y a courant, problème à maïs, problème, il y a érosion, mais problème à cassi, il y a problème, il y a insécurité. 18h, 19h, bah, agression, quand il y a Mongafula, il faut que Mongafula dans 29 communes, bah, communes à Minene, ils appellent communes urbano-rurales, ils ont mis ça, il y a mis ça après, troisième plus grande commune. Ah, donc, na Kinshasa, donc, faut mon immensité. Alors, lui, il est l'élu, il y a commune, il y a Mongafula. Il n'a pas d'adversaire dans la contention électorale. Il faut préciser les détails.
Donc, il y a un problème, il y a contentieux. C'est un grand leader qui a de l'ancrage dans mon gafou là. Alors, à Banda qui m'a démarche, pour Bunda, moi, ma solution, et je parce que le bagage n'a pas dans mon gafou là, ce qui est la voix, la bino, dans ma casse, il y a un gang, il y a un moni, installation, il y a bureau définitif, tu as déjà qu'au gang là. Ba konzambo ka pe ba komo yoka ba konzia commune pe ba komo yoka yango moni asala ki déjà trois activités pour un problème insécurité ya liboso réunion ezala ki tenu na quartier Baumbu ya mibale ezala ki itinérance na yé na kati ya commune accompagné du bourgmestre ya commune na Mongafula na commandant district yango ça l'état des lieux que moi poulous na biso ezana mo ba kokoso ebele un manque d'effectifs bazan na ba souciette mouke yango moni za cheval de bataille na ye activité à souka place na zo chuté ezala ki conférence débat asala ki dimanche 10 na terre tumba côté à simakuna commune où ezala ki une interaction na polina population accompagné na un de ses collègues député à Barumbu de ko Bob si je me trompe pas Bob Amiso azala ki wana l'honorable, na bourgmestre, na commandant, y a district représenté par le chargé des opérations. Je crois que ça a été une très bonne chose. Tout ça, c'est le but, c'est quoi? Sensibiliser le jeune et les familles pour que, banana bango, bazo créer une sécurité, ba ben, nabango, matoui. Tant que l'État, quand y a un moyen à répression, wana y a ça, qui déjà moussala, nae. Yango moni, bon courage à l'honorable Socrates Mubengai, et puis à féliciter l'honorable Augustin Kabuya. Pour na moussala, mon aîné a sali comme informateur et formateur. A pesé sous ma courage et belé pour na décision à cause à la première vice-président et l'Assemblée nationale. Voilà, Nabanti était Zali Bongo, entre parenthèses, na demi-émission, mais maman Ali Kambo, et oh, Zali vraiment, en fait, il y a République démocratique, comme on va congoler, Zali, qu'on s'est posé la question et belé, rencontre, il y a le président Félix. Antoine Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame pour na Itali Bongo dialogue probable pour la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mon amour, Joseph Mbenda, quels sont les dessous des cartes? Bon, bah, dessous des cartes, c'est ça, ma casse. Faut voir que, wana na zolo bana ba Congolais, nyonso, au baza na Congo, au baza na diaspora, na zo pe sa message oyo. Naba oyo ba votaki Félix, naba o ba votaki Félix, c'était le fait que tout ça puisse nous ba congolais. Parce que makambo na kolo ba makambo eza makasi. Si on a besoin ma makasi parce que situation photo le bango eza malamu te pour na Congo. Donc, si on a besoin situation eza malamu te, il faut qu'on éveille maintenant ba congolais, ba telemo. Ba congolais faut ba se ba zongé la mobilisation na balabala, s'il vous plaît. Mais toujours senga toujours senga nazoya toujours senga nazo répondre que toujours senga maintenant l'État a encadré mais l'État peut qui s'attend. J'ai suivi un expert militaire occidental à Lobiango clairement qu'au jour d'aujourd'hui la ville de Goma est encerclée. Félix n'a plus d'initiative sur la guerre de l'Est. C'est-à-dire, ça veut dire en d'autres termes, c'est Kagame qui a maintenant l'ascendance sur la RDC. Quant à ce qui concerne les opérations sur le terrain, raison pour laquelle, au moment où Kagame avait traîné les pieds pour aller à Luanda, vous savez pourquoi? Parce que Alinga qui a occupé un plus grand nombre de localités a quitté Luanda en position de force. Vous comprenez, Ndeko? Alors, tant qu'il est à Luanda, il est allé maintenant exiger des choses qui ne lui seront pas données, qui seront impossibles. Et le quoi, Liboso, a zongsi sur la table des négociations, de Saba FDLR. Au moment où tu as dit que FDLR, pendant règne à Félix, il y avait au moins deux ou trois vagues, il y a rapatriement. Il y avait FDLR. Même par rapport à l'objet que FDLR a sous la capacité de nuisance. Bizarrement, les mêmes FDLR ne jamais na Rwanda, mais ne sont na Congo. Tout à fait. Deuxièmement, à l'objet, les réfugiés congolais sont en Rwanda, il faut que RDC.
Maintenant, là, il s'agit d'un grand complot. Vous savez, qu'est-ce que Kagame a fait? Il a fait entrer des Rwandais ici. Comme les Congolais, à zone ici, on a Rwanda. Comme les réfugiés congolais, aux autres. Maintenant, il demande à ce que Azongi Sabango, Azongi na Congo, comme ba Congolais. Vous savez pourquoi? Ces gens-là vont maintenant occuper les terres où le bandé qu'on a mis sur Kimi pendant la guerre. Et ils vont s'installer, ils vont créer comme une colonie. Tutsi. Comme ils ont salamé à Israël. Ils ont ba colon. Il y a un schéma wana. Vous comprenez? Deuxième, dans son lakina, même monsieur qui est aux États-Unis, il y a un vague d'arrivée des réfugiés congolais de l'Est, comme vous n'avez pas l'idée. Mais bizarrement, ils parlent ni Swahili, ni français, ni Lingala, ni Chiluba, ni Kikongo, ils parlent que Kinyarwanda. Mais Kagame s'arrange avec l'administration américaine, qui est comme la diaspora congolais, réfugiés dans Rwanda. Kuna bazo que j'ai ma formation militaire, bazo que t'as ma université, pour nous retourner comme Kagame Sengi retour des réfugiés congolais. Vous voyez l'ampleur du complot. Vous comprenez de quoi? Alors, il y a sous boué. Respect des accords signés, de quoi? Ils ont mis la table. Vous comprenez? Alors, il y a respect des accords, hein? Signé. Et puis à la minute, je demande à Félix à ta bonne gouvernance na RDC. Bonne gouvernance na RDC. Ma RDC est. Moi, je vous le fais. La tchao la table. Il y a 5 4. Félix a 5 3. Donc, c'est pour dire que ça sera une rencontre de sourds-muets et de malentendants. Et que si maté. Diamétralement opposé. Félix Assenga, succession à hostilité, cantonnement, retrait à Bayabaki. Alobi, c'est seulement dans cette condition-là que la guerre finira. Donc, il se prévaut comme être le leader de tout ce du monde entier, c'est lui leur protecteur. Il ne faut pas oublier, na fumo d'abord, dans le mois de juillet, élections à la Rwanda. Kagame a candidat à sa propre succession. Il va régner encore jusqu'en 2034. Ça correspond pendant 10 ans des accords signés avec l'Union européenne. C'est l'exploitation des minerais. Donc, nous avons encore Kagame pendant pour 10 ans comme pion des étudiants pour dire que l'Occident n'a pas lâché Paul Kagame. En l'occurrence, c'est l'Union européenne. Il y a un moni expert militaire on a le biboué. Ami, votre ville de Goma là est en train d'être encerclée. Le jour que la RDC osera attaquer le Rwanda, c'est ce jour-là que ce pouvoir sera renversé. Député national Jean-Marie Lukourela, ça a été fait une révélation. Habitant toqué la Union européenne, il y a un député qui nous a dit à lui, Bisson de Tozabo et Paul Abisso, le Rwanda c'est l'Israël de l'Afrique. L'Israël de l'Afrique. C'est lui qui s'attaque. Na Rwanda. Bisogno c'est au côté là. Mais Rwanda pour qui peut attaquer n'importe quel pays. De vous en mettre tout ça, on a beaucoup. On va tout beau sur la vidéo, hein. Bo panza. Pour que les Congolais nyonso, bayeba makambozo le kanamboko. Rwanda, Israël d'Afrique. Rwanda, Israël de l'Afrique. Yé à côté pour attaquer n'importe quel pays africain. N'a pris Yanini. Bango va intervenir. Rwanda comme Israël d'Afrique. N'a pris Yanini. Ton a bénéfice Yanini. Ton a intérêt Yanini. Parce que nous savons que rapport à l'État, il y a toujours un intérêt. Mais Rwanda, ceux qui attaquent Bino, on va contacter. Mais Bino, ceux qui vont attaquer Rwanda, il y a un monde qui va polonais, va yé, va lobby, Bisso. Où est-ce qu'on met qu'à Kosimba Rwanda de yé? On y place tous un problème sérieux dans beaucoup. Alors, quand je vois des politiciens congolais blaguer avec ces pays ici, au moment où tout le monde devait travailler pour que cette situation ait la résolue, on est dans la distraction, on est dans les bruits, on est dans des bars,
On est dans des concerts, on est dans des polémiques inutiles. Jusque-là, on n'a pas encore été un État-nation. On est un peuple, une population, mais on n'est pas une nation. Si c'était, on était une nation, ça allait être une mobilisation. On allait dire, bon, distraction, non, autotica. Occupons-nous d'abord de cette question de l'Est. Papa, on a des déplacés comme tu n'as pas l'idée. Le but, c'est quoi? C'est que les populations rwandaises devenir réfugiés congolais au Rwanda, bah, et qu'occuper ma place. Voilà. N'a pas que ça. Le bas, c'est n'a pas que ça. On avance. Tu continues à faire une population congolaise. Ouimbi et Kouyi. Ouimbi, Ouimbi, non? Na Est. Oui. Ouimbi, n'est-ce pas Kouyaki? Et Kouyi, le Nzambé, n'a pas. Nzambé, façon à Congo. En fait, les multinationales et les puissances, bah, il y a une faiblesse d'un homme congolais. Le monde nous a boué. Il y a un cliché congolais. Il y a un homme divers. Il y a une ambiance. Tu ne résistes pas devant l'argent. Bravo à notre mentor Étienne Tshisekedi de Amouloumba. C'est le seul qui n'a pas été corrompu. Il y a une corruption. Kanyaka. Il y a une seconde nature. Il y a un congolais Nyonso. Quel que soit Tanga. Quel que soit Tanga, tu es congolais dans la patriote. Ce que tu peux essayer le meilleur, à te trahir. Depuis Rwanda, Banda Kubundana Biso, Boussa la constat, il n'y a eu jamais de grands affrontements, des grands affrontements comme ça militaires. Mais remarquez qu'il récupère beaucoup de territoires. Par quelle magie? La corruption. Oui, mais combien de militaires on a perdu dans le front par à cause des généraux et des colonels corrompus qui ont livré les enfants d'autrui dans le théâtre des opérations en l'air désorientant par rapport à la mission de la place où sur la biscade de la Koufa. Tu n'as jamais compris que Mamadou Nda la Koufa, la Koufa dans le Congo, où il fallait qu'on est protégé. Embuscade. Vous avez des soldats rwandais dans notre armée. Général Chico Tshitambo, il a échappé à la mort pour la Ruimbi. Et Rezma Zalagi na Kanyavi Yoronge. Chemin faisant pour Aya. Nanzela, embuscade, c'est une vérité. Heureusement, sur nos escorte, il y avait des militaires très bien formés qui ont résisté au M23, bah, Rwandais, bah, Bomi, Bango, parce que le rôle, c'était d'arrêter Chico Tshitambo, de l'amener à Bunagana et de l'exposer devant les gens, bah, Bomaye. Et puis, il m'a exposé Cornet, ça va être une humiliation impossible. Parce que ce monsieur a refusé d'être corrompu. Il y a quand même des Congolais de très bonne qualité, mais des Congolais de mauvaise qualité, bazar, dans les belles, dans l'armée, dans la police, dans la civile. Neko. Les colonels et ses adjoints ont demandé aux Oazalendo et aux militaires de battre leur retraite. S'il vous plaît, on garde un moment au repli stratégique. Mais c'est le seul moyen à corrompre pour avoir un territoire repli stratégique. De replier parce qu'effectif, les alliés qui sont archi faux. Bah, Sengi Mundu qui va vivre une seule bouquin de bonnes à bisous, tout battre la mabelle, ma colonel. Le chef à localité à Ruimbi, il hébergeait les Rwandais militaires dans sa maison. Il a été arrêté. Mais où étaient nos services de renseignement? Même quand bah, il y a eu que les colonels, les agents, ils n'ont pas de renseignement, ils n'ont pas d'opération, ils n'ont pas. Parce que quand on met un chef d'opération, autour il y a un état-major, opération, tout ça, administration, tout ça. C'est eux qui ont trahi. Vous savez, le prix, c'était combien? C'était combien? 50 000 $ par colonel. 50 000 $ par colonel. Donc pour la 50 000 $, on limite au sacrifié territoire, mon bimba, pour la 50 000 $. Je demande au président de la République de bouger les chefs, l'état-major général, il y a FRDC, de bouger la maison militaire. Parce que pour que le président nomme ces gens-là, il a des conseillers militaires. Comment jusqu'à aujourd'hui dans notre armée, c'est le seul pays au monde où les officiers trahissent leur armée et leurs frères d'armes et la nation. C'est le seul pays au monde. Vous voyez pourquoi? La plupart, ils habitent au Toba Yombe. Sangisa, Outi Afdel,
UTMLC, RCD-KML, RCD-Sanwa, Sangisibino. Ils n'ont pas été formés comme des militaires patriotes. C'est le seul militaire patriote, c'est ça, oh, Félix, ça se formé. Tout ça qui sont venus avec Kabila, Joseph, ce ne sont pas des militaires qui aiment le pays. La plupart sont dans les affaires. Un autre aspect de choses. Bakanga qui est des individus, même Basivi, non? Tout à fait. Vous savez qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un boom économique, il y a un boom minier dans Goma, dans Bukavu. D'où provient cet argent? Mais ce sont des provinces à problème. Mais la province se construit quand même. Vous ne pouvez pas vous poser des questions? Même nos frères de l'Est, certains notables sont des mauvais. Bande Konami soit Estéwana, c'est Bazabami, Tema Mabe Bandoki. Bah, ni guerre si latin. Mais, bah, moi, bah, résistera pour que vous m'ayez été. Eh, ça n'a pas mis sous, bah, zo, bunda, bah, oisalendo, bah, lingi. Mais la plupart de ceux-là, bah, notables, n'a pas eu, bah, ça. Awa. Qui tire les ficelles avec le Rwanda? Qui a donné 30 vaches, n'a moins, à James Kabarebe? Ah. Ayo, pesa combo. Moi, moka. Qui n'a tout dit question? Est-ce que Nalobi m'a bé? Qui a donné 30 vaches et puis, Et puis, écoutez, c'est la question que va Congolais va poser la réponse. C'est-à-dire, c'est pour dire, c'est, il y a des politiciens de l'Est de la République démocratique du Congo qui ont des entrées, des liens. Il y a ma casse, il y a un qui est RDC, malgré RDC. Mais tout informé population congolaise. Moi, dans mon cas, Joseph, on m'a même mis sur révélation. Qui a participé d'abord dans le mariage et moi, dans James Kabarebe, et qui a donné ces cadeaux à 30 vaches? Mariage, dans banquier à James Kabarebe. Je vous renvoie à Bolanda dans ma vidéo. Dans un mariage, on a dit que le président regrette mon PC invitation. Le président regrette. Na fête, il y a moi, na James Kabarebe. Quel président qui regrette? Que toi, on a dit. Eric Engage, oui, Eric Engage. Oui, Eric Engage. Allez, Capéawat. Obika monde na tete siko. Pourquoi? Depuis à l'obéla marama mutu nga na zo l'obéla wana na suki wana. Ma vidéo est disponible. Donc c'est pour dire. Et est-ce que pendant qu'on informe population congolaise? J'ai déjà informé. Donc na muta ke sa recherche. Ah bon ça té wana zali to tota population na perdition. C'est perdition que la diaspora ba 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 tota la biso ba ko ben na biso pe le lobby zali awa. Zali biso to zali ba ba faiblard. Les gens sont pour tout informer. Ba tout yo so ba yebi yango. De qui il s'agit. Tant que le bébé m'a beaucoup concerné, il n'y a pas de fond. Tant que le bébé m'a beaucoup concerné, il n'y a pas de fond. Tant que le bébé m'a beaucoup concerné, il n'y a pas de fond. Il y a dit qu'un des membres de la M23, hein, ce qui est Kaumba, Kanyumba, il fut membre de la UNC à Londres. Comment est-ce qu'il est allé à la rébellion? Comment? Vous savez, un certain Bertrand Bissimwa, Mkonzi à MM23, ou il y a un peu de Kivu, ou il y a un peu de Chi. Posez-vous la question jusqu'aujourd'hui, pourquoi la communauté Chi congolaise de l'Est n'a jamais qu'on désavoué? Mais ces messieurs pactisent avec le Rwanda qui tue nos frères. Moi, je me plains des gens de l'Est. Je ne dis pas tout. Bravo aux jeunes Ouazalendo. Je dis bravo aux jeunes Ouazalendo. Mais les notables de l'Est qui vivent ici à Kinshasa sont des mauvaises personnes. Ils entretiennent des relations étroites avec le Rwanda, avec des multinationales pour épier, exploiter et construire Goma et Bukavu. Avant nous faire indexer Vital Kamerhe. Italie Ngati. Tu as la question, monsieur. Nous sommes infiltrés à un niveau que vous ne pouvez pas comprendre. Et les politiques, et partout. Kagame a réussi son plan diabolique au Congo, facilité par M. Joseph Kabila, qui reste n'est pas congolais.
Rwandais de souche, qui n'a jamais aimé ce pays. Quand Kagame revendique les accords, il revendique quels accords? Oui, mais que l'accord cadre d'Addis Abeba, ça a été signé pendant qu'il était président. Joseph Kabila. Oui, mais c'est Bissonini. 18 exigences. Rwanda 0, Ouganda 0, communauté internationale 5, sous-région 5, communauté internationale 3. Au moment, on a été que ça déséquilibré. Oui, bien, moi. Mais il va bien, moi. Mais vous voyez, ces messieurs se moquer de nous. Bah, ma kamulabiso, ayakate. Ma kamulabiso, alobarate. Même en c'est ça aussi, même, un président d'exercice. Même, un ancien président. Même comme président de la République démocratique du Congo, il ne parle pas. Il ne soit. Il, avec lui, même à ce qu'il peut être dans ma kamulabiso. Parce que pendant qu'il a, il a eu à gérer ce pays. Même commémoration à soi-disant du roi Papa Ayakate. Mais il y a battu kuna musika na nabindia kei. Et puis à ce temps, la peine à Bardabé, qui caille en a un fugitif. Vous savez ce que c'est que ça veut dire, je m'en fous de vous. Félix Assisi manda Kabila Kangamite. Il a échoué. Félix peut échouer sur tous les plans. Deux choses, ma Congolais, ma Senga Kaye. Assis à guerre à Kangirabiso Kabila na Batouana Nyosu. Raymond Tchibana Nakati, Alexis Tamouman Nakati, tous ceux qui ont travaillé dans ma service à renseignement. Mais est-ce que c'est normal? Moutou a recherché dans Mboka Awa, mais l'ancien président Akota Mboulanae a un nom. Donc, c'est-à-dire, il dit, je m'en fous de vos constitutions, je m'en fous de vous. Ce monsieur est venu avec des bottes, mais aujourd'hui, il est multimilliardaire. Ma bilou kwa sana ona Kinshasa. Même ma bimba saoulou na bazana ona. Oui, mais qu'ils ont la constitution, je vais chercher ça. Normalement, le monsieur devait être déjà arrêté. Oui, pourquoi? Tant que Kotaka a déclaré à Bilo, on a été tant pas bimé à déclarer à Raté. En 1996, à Zara, on est à Nini. En 2018, à Bimé, on est à Nini et puis à Nini. Oui, mais. Mais déjà, moi, je suis informé la population congolaise parce que. Il y a il y aura des rencontres entre Félix Antoine Tshisekedi. Ça sera une Paul Kagame. Ça sera une rencontre de trop et inutile. Parce que ceux qui sont derrière le Rwanda ont décidé de ne jamais lâcher le Congo. Pour rien au monde, c'est une question de survie existentielle pour notre pays Nabango. Premier États-Unis, Union européenne. Oui, bah. Pourquoi pas lâcher le Congo? Pourquoi pas? Parce que la première chose, il ne faut jamais laisser ces pays se développer. Deuxièmement, si ces minéraux-là, tu veux qu'on soit en voie normale, nous allons payer plus cher que ce que nous payons. Oui, mais ceux qui sont créateurs artisanaux, on a pris un kilo pour le temps, ils ont 20 dollars. Et ils deviennent malades toute leur vie. Oui, mais on a noté qu'on a combien? Vous comprenez? Parmi les trafiquants, ma casse. Il est ici, c'est pas Van Kinshasa, un neveu, un cousin de Kunda Batware. J'ai oublié son nom. Non, le baron est Monsieur Moussousou. Mais il est ici, n'a fait que n'a pas rembébélé. Ils sont ici. Des hommes très dangereux. Qu'on laisse pavaner comme ça. Un homme extrêmement riche comme Wanga Tchouchou. Mazawana Bafek. Mais c'est quelqu'un qu'on doit arrêter. J'ai oublié son nom. Il est lancé comme ça. Un Rwandais de souche. Il trafique à Goma, il va dormir au Rwanda. Ah, au moins, hein. Salut, tu grand avant là. Je vous dis. Le président Félix, ce qui va agir dans le monde, pour la moka, il a évité ce qui est le deuxième mandat ou ce qui est le sixième. On a toujours monté ma oyo, Zalina Yango, pour que Mboka oyo, ça la sauver. Il est temps d'agir. Avant que les pires n'arrivent. Il va agir avec qui? Il est le seul qui porte le poids de la guerre. Qui l'accompagne? Oh, Aïna va appartenir en fait au gouvernement. Banani, Tanga va appartenir. Vital Kamira Zali. Mais il est là, il nous donne des mots de tête. Qui encore? Tanga quoi? Jean-Pierre Bemba. Ah, plus ou moins. Photo le Baba Kongo levé. Bah, tu le connais. Ah! Vieille, il a subi trop de coups. On va monter le ministère économie, ministère à portefeuille. Vieille, ma bêtise encore, bon, si, neuf depuis. Vieille, il est ailleurs.
Mais il aime bien le président. Christophe Mbosso. Ah, viens à le rotin. Il n'a rien apporté. Viens à Makelele. Théâtre. Il a de ne sait combien de députés qui sont à l'est là-bas dans Kataké. Mais déjà, l'histoire est validée aussi dans Katia. Arrêté Naïa ou Batuéléni Maléli. 49 députés remplacés, mon amboka. Où en sont-ils? Constitution, il ne faut pas modifier. Pourquoi? Normalement, il faut tous en la constituer. C'est-à-dire que tant que vous programmez provisoirement, vous ne faites rien. Il faut que le cours constitutionnel a programmé Mino définitivement. C'est-à-dire que vous avez un bureau d'âge. Le bureau d'âge, on a une validation des mandats. Validation des mandats, vous avez un règlement d'ordre d'intérêt, vous avez un bureau définitif. Mais 3 mois, ça va se passer et puis va invalider. Papa, tabino moko. Mais toujours, c'est un cabinet de région de M23. Moutaoutina village. Papa. Il a pris. Donc, Batounou, ça va passer déjà. Bye. Aye, Awa. Jeep. La vie a changé. A défilé, il va mourir à Batou déjà. Et en plus, il faut que vous dans le village. Dans moi, là. Mais je ne sais pas quoi. Je suis peiné quand j'ai appris que Donald Kabasele était invalidé. Ah, Nzambe. Cordon, courage. Tous ont reçu une erreur matérielle. Tous ont reçu une erreur matérielle. Sur le plan de droit, on ne peut pas s'attaquer dans ma cour, barré à cour. Hein? Mais sur le plan politique, et puis si ma mère, et fragiliser l'Union sacrée. Faut trouver la vérité. Est-ce que le lot de vous soit quand même Jacob et Adapé n'a raison de. Excuse-moi, je ne vais pas parler de lui. Je parle République. Est-ce que le lot de vous, mon amour, Joseph Mbenza, qui est dans la République démocratique du Congo, où on a 2 jeunes dans le bureau d'âge, va se voir où il va les invalider. Papa. Agé Matembo, Totokani, na Serge Mahati. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut modifier la constitution le plus rapidement possible. Il y a un moment, il faut président de l'Assemblée nationale. Parce que le président Mouraza vraiment congolais patriote. Parce qu'il faut Félix a bêta babilo quoi ma cassiatique et la bisou loi mouké et protéger bisou. Vital Kamer est comme président de l'Assemblée nationale. Na Boyango. Na Koué, sa président de la télévision. Et puis, na Oluka Mbongo. Na Koué, Kanaba Median, de ce produit, il est pour président. C'est une erreur de casting majeure. Ce qui est un yen, c'est pas aujourd'hui, ça a mis sur le nom, mais sauf caméra. Ok, non. Parce que l'ONC se constitue comme officiellement comme deuxième force politique. Dans le Bibo et dans la Bandeli, ce qui est caca, on peut s'en aller à l'ONC. On ne peut pas être indépendante. On est dans le Bibo. Mais presque, on ne peut pas être indépendant. Kabou, il y a qui dans le compte de Bissot. Kabouya qui est indépendant pourquoi? Kabouya qui est comme candidat comme vice-président de l'Assemblée nationale. Vice-premier, mais comme il dépêche. Il dépêche. Voilà. Mais ça serait une erreur pour le Congo de donner parce que la loi autre que ça, là, dans la mandature, ils ont la loi moko et qui protégeait kaka ba Congolais. En l'occurrence, loi à père des mères et des mères. Des pères et des mères. La loi est belle, il faut qu'on change la constitution. Un président de l'Assemblée nationale, c'est en termes de protocole la deuxième personnalité du pays. Erreur, il y a là. Vous pouvez dire que vous avez un INC, mais vous avez un INC. Et puis, vous avez un INC, vous avez un STT, vous avez un Walou, vous avez un Mouchité. Congolais, Congo, vous avez un INC. Vous avez un INC. Moi, je suis par ici. Et le Oyo. Non, je comprends la peine de Dieu, Bati. Je comprends la peine. Je crois que, via recevoir ma coup émêlé, ministère et à économie, ma botolaye, ministère à plan, il y a portefeuille, ma botolaye, et puis 9 députés, papa. Ça, c'est fragiliser l'union sacrée. Sur le plan politique, ils ont mal à monter. Sur le plan de droit, je ne vais pas m'attaquer à la cour. Mais sur le plan politique, ça fragilise. Ce qui fait que je suis en train de présager que Batebele va quitter Bissot très tôt, même l'année 2026. On est arrivé là-dessus. Oui, Batebele va nous
Amoni même vieux bati même bate belé ba okene na onté parce que ba dépenser ki belé. Faut ba kota na ba institution ba damé nan. C'est ça. Et le pays sera sauvé quand? Ça ne sera avec ces gens ici. Dis-moi, qu'est-ce que Jean-Lucien Bouss a encore à proposer? Pourquoi il doit retourner? Ils sont là, les Julien Palou. Des chefs coutumiers. Mais la pouvoir. Donc, on n'a pas parti, on n'a pas roumé, on s'en va rater. Les puissants habillés. Ah, moi, il y a que Jean. On dit sur le président, le bien, Jean-Pierre Liaou, c'est-à-dire, bien l'union sur la boutique, il dit, bon, fouin. Déjà, la ville province de Kinshasa, les Kinois ont beaucoup pleuré sur gouvernorat, gouvernance à Kinshasa par Gentil Ngobila aujourd'hui. Tant de problèmes, tant de situations, la ville est insupportable. Est-ce Daniel Bumba sera à la mesure? Il y a un jeu où il y a dans la ville province de Kinshasa. Je salue le choix du parti par le secrétaire général Augustin Kabuya, monsieur l'informateur formateur. C'est un choix judicieux que IDPS a jeté dévolu na fils maison, Daniel Bumba Lubaki. Moi, j'ai eu l'occasion de l'écouter, de l'entendre. C'est le seul prétendant candidat gouverneur de la ville de Kinshasa où a étalé projet na à trois piliers et sept axes. Le seul, pour le bilan des missions élaborées. Je dis bien le seul. J'ai entendu. Et puis, chaque problème qu'il pose à Zanaba solution structurelle. Le moyen est comment y parvenir, dans quel délai, dans combien de temps. Le seul. Un monsieur qui a fait ses études à l'Unity n'a terminé en économie. Mais les lobes à tout bas, comme il faut attaquer. Toujours, il dit ça, bateau va attaquer Daniel Bumba, Lubaki. Préparez-vous la riposte et Kozala de manière disproportionnée, tout bête à mordir. Et parmi ma barbette à aborder, regardez bien moi là. Parce qu'aujourd'hui, et Bélé Bakouloba et Daniel Bumba, il ne sera pas à la hauteur, il y a Kinshasa. Daniel Bumba ne va pas ramener quand même. Daniel Bumba va aimer dans ma musicien. Et puis, ton sein appelle l'excellence gouverneur Daniel Bumba, qu'on n'a pas été baillé maillot. Daniel Bumba, c'est vrai qu'il n'est pas connu du grand public, mais c'est un député national. Il a de l'ancrage. Et puis aujourd'hui, ce n'est plus le choix de l'IDPS, mais c'est le choix de l'Union sacrée et Daniel Bumba et Edi Yeli. Edi Yeli Molangi. Donc, il y a un gros homme à Mkonzamboka. A béni maman ministre de la justice, il dit toi qui candidat, pourquoi il n'y a pas de sacanier à la poisson de mon bébé? Tu as dénoncé. Il faut que tu aies clair. Tu as dit comment on a dit? Mais il n'y a pas qu'il y a un membre à IDPS. Mais comment. C'est là, non. Comment se rebeller la partie? Si tu as un membre à IDPS. Lili, comment on a dit? Elle a dit mon moto IDPS. Depuis quand? Mais tout le monde a mis une liste à IDPS. Ma bordée, tu as bêta. Et vous allez en adhésion à elle. Prends ton mal à patience. Je te donne rendez-vous. Mais il faut retenir. Quand la hiérarchie du parti lève l'option pour choisir Olivier Moutounio, c'est là que je salue l'honorable Nani Diamanza. Donc, décision Koui à s'incliner. Honorable Jekoko à s'incliner. Mais pourquoi, M. Deo, il faut à se rébeller la décision de la hiérarchie du parti? Ah, donc, il est clair que Deo, quand on a parlé de la IDPS, il y a une fraude dans la IDPS. Parce que moi, la IDPS, à la Naganzela, parce que le CG a dit clair, ils allient choix à parti, tout le monde, au CPLO, CPLATE, il faut l'anda choix à parti, et ça l'a mis. Ceux qui ont se rébellé, il y a mon chef de l'État, a bénissé Madame la ministre, il s'est dit que, Téba! C'est Jean Kabou, il n'y a pas le bâtiment. Oh, bah, il y a qui m'ont dit, monsieur Dao, il n'y a pas de bonté. Il n'y a pas de bonté. Nazo Ebiso, CG a verrouillé ma solo.
14 députés UDPS.